là qui revient se fera pas dingue. Bonjour police municipale de Cannes. Il me semble que vous rouliez largement au-dessus de cette vitesse. C'est une impression de vidéo, c'est une impression de vidéo. Bon, très bien, c'est parce que la voiture est rouge. Voilà, je sais où. Bon, très bien, circulez, bonne journée. Ah, merci. Petit arrêt obligatoire à Cannes, hein, forcément, les amis. Regardez, on est devant le Carlton. Il y a l'ami Julien Gauger qui va partir avec sa GTS. Et moi, je vais prendre la turbo. Allez les amis, on quitte ce bel endroit et on remonte à Paris. La famille. Au niveau des changements esthétiques sur cette Turbo S, regardez une signature spécifique sur ce nouveau bouclier, puisque les Turbo S ont deux faisceaux LED avec un espace entre les deux. On verra tout à l'heure la différence par rapport à la GTS d'à côté. Et puis, au niveau de la calandre, regardez cette partie là, ici, elle est couleur carrosserie. Seule la Turbo S, puisqu'il n'existe désormais plus que la Turbo S, a cette petite spécificité. On a de la chance, on a une GTS à côté, on va pouvoir comparer. Allez hop, on y va, on court parce qu'il pleut. Regardez sur la GTS, on a les deux faisceaux lumineux, mais ils sont plus rapprochés. Et on a ici aussi une partie du bouclier en teinte carrosserie, mais la signature est différente. Ça permet, quand on a la voiture dans son rétroviseur, de savoir à qui on a affaire. Mais bon, en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt l'arrière, hein, des Porsche. Et hop, j'en profite pour vous montrer une autre nouveauté, qui est cette bande lumineuse rouge. Alors la bande lumineuse rouge, ici, si vous regardez, elle parcourt tout l'arrière de la voiture et surtout, il n'y a plus la séparation qu'il y avait avant. Donc là, on a une bande complète. On quitte le beau soleil de la Méditerranée pour faire plus de 900 km. On va remonter tout là-haut sur la région parisienne avec cette Panamera Turbo S. On y va, je vous embarque. Bon les amis, la croisette fait grise mine ce matin. Il pleut, il fait pas beau. Il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave parce que moi je suis plutôt pas mal à bord de cette Panamera Turbo S. Et puis voilà, il n'y a personne dans les rues quoi, on profite, même avec le mauvais temps. Je suis parti de Cannes ce matin pour rejoindre la région parisienne. J'en profite pour faire une petite pause ici, dans l'arrière-pays, parce que regardez, c'est quand même assez sympa. On a des routes qui sont très joueuses, avec une auto. Très joueuse également, avec un châssis exceptionnel, qui d'ailleurs fait partie des nouveautés de cette version 2021, parce qu'en fait, toute la partie liaison au sol a été revue, de manière à proposer encore plus de caractère. Et je vous garantis que ça envoie vraiment fort, pourtant pour une auto de 2 tonnes. Alors, on va faire le tour aussi des nouveautés esthétiques. Déjà, regardez les étriers jaunes. Pourquoi des étriers jaunes? Parce que chez Porsche, par rapport à la couleur des étriers, on peut deviner ce qu'on a comme disque de frein. Eh bien, le jaune, ça veut dire qu'on a des freins céramiques. Les jantes, c'est du 21 pouces. Et puis, on va arriver donc sur une des premières nouveautés de cette version 2021. Le bouclier avant. Et là, ici, on a un bouclier avant qui est spécifique à la Turbo S. Puisque vous avez la signature lumineuse, ici, composée de deux lignes qui sont écartées les unes des autres. Juste pour mémoire, la Turbo S a deux lignes écartées, la GTS a
deux lignes rapprochées. Et les autres versions ont une ligne. Vous avez retenu? C'est pas fini. Sur la Turbo S, on a également un bouclier ici qui est spécifique. Regardez cette lame, ici, ce dessin-là, c'est spécifique. Et c'est couleur carrosserie. Sur les autres modèles, le dessin est différent. Noir, par exemple, sur les versions hybrides. Peint couleur carrosserie sur l'entourage pour la GTS, etc., etc. Bref, par rapport à la face avant, si vous avez bien appris la leçon, vous savez quelle version on a. Allez, on continue le petit tour. Les feux LED matriciels ici. Regardez le détail de finition quand même, hein, avec les touches de chrome autour des LED. Les phares sous bulles. On fait le tour de cette version, ben, vous l'avez remarqué, hein, version Sport Turismo, également appelée, on va dire, les shooting brakes, brakes de chasse. Pour finir, sur la dernière touche de nouveauté, c'est le bandeau lumineux à l'arrière. Bandeau lumineux rouge qui fait donc toute la largeur et qui ici n'est plus coupé. Il était coupé avant sur les autres versions ici. Maintenant, il fait toute la largeur. Et puis, bien sûr, la nouvelle signalétique Turbo S. D'ailleurs, pourquoi Turbo S ? C'est intéressant de savoir. C'est que la version Turbo précédente faisait 500 et quelques chevaux. Le problème, c'est que maintenant, la 4SI hybride fait 540 chevaux. Donc, en fait, si on avait gardé Turbo, on aurait eu ben, finalement une version hybride plus puissante que la version Turbo. Donc, comme cette version Turbo S est équipée d'un V8 toujours, mais de 630 chevaux, eh ben, on lui a collé un S pour dire c'est Turbo, mais c'est Sport. C'est bon, vous avez tout compris? Allez, prenez des notes, il y a un terreau. Cette couleur est nouvelle aussi au catalogue. C'est ce qu'on appelle le brun truffe. C'est, regardez, une couleur assez classique, hein, et qui lui va bien. Bon, bah, du coup, je me suis arrêté près de chaîne, hein. Je me suis dit, avec du brun truffe, peut-être qu'on va trouver des truffes. Bon, pour l'instant, la seule truffe que j'ai trouvée, c'est derrière la caméra. Qu'est-ce qui se cache derrière ce logo légendaire? Eh bien, regardez, il se cache. Un V8 de 4 litres, c'est marqué dessus. Biturbo, qui développe 630 chevaux, 820 Nm de couple. Imaginez un petit peu le monstre qu'il y a là. Cette voiture abat le 0 à 100 en 3 secondes 1. Je vous rappelle encore qu'elle fait 2 tonnes. Donc imaginez la masse qu'on déplace. Les accélérations avec cette voiture, ça me fait penser en fait à une voiture électrique. C'est instantané, c'est brutal. Alors c'est brutal, bien sûr, hein, en mode de sport plus. Hein, parce que quand on la met en mode normal, là, elle redevient civilisée. Mais elle peut également être un petit peu méchante. On peut partir en vacances avec cette Porsche. On va regarder un petit peu. On va ouvrir avec le pied le coffre. Vous avez ici 520 litres. Alors c'est 20 litres de plus que par rapport à la berline, c'est pas grand chose. Mais en fait, ce qu'on va gagner surtout avec la version Sport Turismo, c'est un petit peu de hauteur, ce qui va nous permettre, en enlevant ici cette partie-là, et de mettre peut-être des objets un peu plus encombrants. Mais bon, 500 litres, on est quand même pas mal sur une berline. Là, ici, en version 4 places, ça permet de mettre pas mal de bagages. Là, vous voyez, il y a un bagage cabine, mais on peut très bien en mettre limite 4, quoi. Plus des sacs au-dessus. On se fait un petit point conso intermédiaire. Bon, ça fait 2h25 que je suis au volant. Et comme vous pouvez le constater, déjà la route elle tourne, mais comme vous pouvez le constater, j'ai fait que 68 km en fait. Je suis parti de Cannes, je suis monté dans les hauteurs, et puis voilà, je me suis amusé quoi. Franchement, j'ai mis le pied dedans et je me suis fait plaisir. Donc du coup, là on a une conso de 23 litres.
Bon, je vous rappelle quand même, on a un V8 biturbo de 630 chevaux. Hein. Mais le but maintenant, c'est tout à l'heure de repartir sur l'autoroute et de savoir si on va pouvoir baisser cette conso moyenne. Alors, on va prendre le chemin de l'autoroute. C'est parti. Ici, vous voyez, je peux programmer l'éclairage à l'intérieur. Donc là, je vais le mettre en bleu topaze. Ici, vous voyez, on peut augmenter, diminuer l'intensité, changer les couleurs. Mais bizarrement, quand on éteint et on rallume la voiture, c'est pas conservé. Alors, je sais pas, hein, encore une fois, peut-être que j'ai mal paramétré. Pour la conduite sur autoroute, j'ai paramétré le châssis en mode confort, c'est-à-dire que j'ai mis les suspensions en mode normal, la cartographie moteur en mode normal. Ça permet donc de réduire aussi la consommation et grâce en plus à l'insonorisation, là on a du double vitrage, vraiment on voyage tranquillement, on est bien, la route est super bien filtrée. Ça c'est dû aux nouvelles suspensions pneumatiques qui sont vraiment très très efficaces pour le confort et le sport. Alors nous voilà arrivés, ça y est, sur les bords de Loire, du côté d'Orléans, et on va en profiter pour faire un petit point conso, je vous avais dit. Eh bien en fait, regardez, ça c'est le trajet de ce matin, j'ai fait 300 km en 2h45, et on est à une consommation de 11,8 litres. 11 litres, c'est plutôt pas mal, puisque je vous rappelle encore et encore, hein, on a un V8 de 4 litres biturbo qui développe 630 chevaux. Donc 11,8 litres, on est vraiment dans les moyennes basses du segment. Et puis, j'en profite également pour vous montrer ce petit jouet. Et je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien. Et regardez sur qui je tombe à Orléans. Salut. Et voilà, oui. L'ami Flo, le comparse, le complice. On est là, pourquoi ? Pour pour essayer, faire le tour un petit peu et de voir un petit peu ce que tu vas nous présenter. Et puis comme surtout, regardez, oui, les copains. C'est rouge, ça va vite. Eh ouais, on en a une deuxième. Allez, par l'extérieur, petite Audi S3 qui développe 310 chevaux. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est deux fois moins que cette jolie Porsche. Moi, j'ai trois fois moins cher. Et le moteur est deux fois moins gros. Ouais. T'as 4 cylindres, j'en ai 8. Bon, après, hein, bon, ça. Après, t'as 4 sorties d'échappement, j'en ai 4. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on va comparer tout ça, mais surtout, on va faire le tour. Et c'est gentil de venir me rejoindre à Orléans, dans cette très belle ville. Combleu, Saint-Jean-Ruel, tout ça. Bon, bref. Et puis, j'ai quitté Cannes, je vous le rappelle, il faisait moche. Et regardez ici. Eh ben voilà, ça y est, il est là, le ciel bleu. Je l'ai trouvé, les copains. Cyril, ça donne quoi ce gros V8 biturbo ? Ça donne en fait un moteur à plein de dimensions. Tu peux être tranquille, pépère, rouler en bon père de famille, ou alors tu peux avoir cette sonorité. Vas-y. Déployer les ailes. Ah, tu nous sors le petit aileron. En fait, pour l'aérodynamisme, à partir de 80 km/h, à vérifier. Ouais. Il y a l'aileron qui va se déployer tout seul, mais tu peux le faire manuellement aussi. Déployer manuellement, vas-y. Ok. Alors, c'est pas comme la Panamera. Oh là, par contre, là, l'aileron. C'est pas comme la Panamera, Berline. Alors, vas-y, montre-nous tout ça. Ah oui, ça va. C'est mignon. Alors ça permet de plaquer la voiture au sol, c'est ça ? Ouais, plaquer, on va pas exagérer non plus. Mais plaquer ça, les 2 tonnes. Ça améliore un petit peu l'aéro. Ok. Bon Flo, je t'invite à la maison ? Ouais. Allez, on y va. Okay, non, pas dans mon château. Un autre château. Dans un autre château, viens voir. Alors, par contre, on va faire un peu différemment par rapport à d'habitude. Monte à l'arrière. Parce que là... Donc j'ai un chauffeur, j'imagine. Et puis surtout parce que là, on est dans la version 4 places avec 2 places à l'arrière. Ouais. Et regarde ici, est dans l'esprit... Limousine avec, si tu descends ta main à droite, ouais, tu as tous les réglages électriques. Ah oui, des sièges, exact. Tu vois, ah ouais, bien d'accord. Je comme peux à l'avant. Mon dossier, tout, l'inclinaison. Comme à l'avant. Massage aussi. Massage aussi. Et les massages, ils sont là, regarde. Juste là. Tu vois. Ah ouais. Et là, je suis bien. Et donc là, on est dans l'esprit limousine. Ça, regarde. Ça c'est quoi ? Vas-y, ouvre.
Ok. Porte gobelet. Là, on a les petites prises. Ah, ouais. USB-C. 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 Et puis, bien sûr. Et là, t'as le frigo, bien sûr. Non, alors là, je n'ai pas le frigo, mais. T'as pas le frigo. On est quand même plutôt pas mal à l'arrière de cette Panamera. Je sais pas comment tu trouves, toi. Moi, je suis super bien installé. Tu as le toit ouvrant, bien sûr, individuel. Un ciel de toit en Alcantara. Un petit écran de réglage, de contrôle. Ça, c'est super sympa. Tu peux programmer un petit peu tout ce que tu veux. Ton siège est chauffant et ventilé. Hein. Chauffant et ventilé, effectivement. Donc, siège chauffant. Siège chauffant, ventilé. C'est le rideau. Pas mal. Siège chauffant, ventilé, massant à l'arrière. On n'est pas bien là? On est sûr. Et le petit rideau qui va bien? Franchement, alors, si ça, c'est pas le grand luxe. Et on n'est pas bien à la maison? Bah toi, tu gardes ta Bentley, moi je prends la porte. Je vois Cyril se gratter la tête parce que je viens de dire une grosse connerie. Non, c'est juste incroyable. Un jante 21 pouces, ouais. Étrier 10 pistons, tu me disais? Ouais, étrier 10 pistons, wow. Regarde la taille. Ça va de là. Alors en fait, ça prend quasiment tout l'espace tout la jambe, hein. De la jambe. Et parce que ici, on est sur donc un étrier jaune parce que on est sur du frein carbone céramique. Ah, c'est jaune parce que c'est céramique. Ouais. Et ça, c'est de série, hein, tu me disais. Et alors maintenant, c'est de série. Incroyable. Sur la Turbo S. Ok. Et là, la petite pointe du logo qui normalement. Bon, à voir si ça c'est le cas sur toutes les Porsche. Mais en tout cas, c'est un petit détail qui mérite d'être souligné. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son break, Mister Cyril? Qu'est-ce que tu nous fais avec ton gros break là? Voilà. Ah. Alors voilà, je les entends là, le break, Porsche, etc. Déjà, c'est pas un break. Monsieur, je la pète déjà avec ce haillon électrique. Excusez-moi. Eh ben oui, il faut. Mais c'est pas un break. Pourquoi c'est pas un break? Parce que en fait, c'est ce qu'on appelle un sport turismo chez Porsche. C'est dans l'esprit des shooting breaks. Okay. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, il y a plus de hauteur à ce niveau-là, mais si tu regardes quand même la ligne, elle reste plongeante et sportive. Plongeante, ouais. D'accord. Attends Cyril, un break chez Porsche, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais si alors, oui, toi forcément tu connais la Sport Turismo qui est sortie en 2017, ouais. Mais il faut te dire qu'en fait les recherches de Porsche pour faire des voitures familiales, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Dans les années 70, ils avaient pris une 911 et ils en ont fait une 4 portes. D'accord. Et puis plus récemment, dans les années 80, et là je pense qu'on a trouvé l'ancêtre de la Panamera, parce qu'il y avait une tentative sur une Porsche 928 avec l'esprit shooting break. 4 portes, ok. V8 à l'avant. Okay. Ça te rappelle rien, ça? Ok. Et c'était il y a 40 ans. Donc, en fait, Porsche familial, ça date pas d'hier. Et c'était un concept, c'est ça? C'était un concept. Ils ont pas osé. Ils ont pas osé. Et en fait, je pense qu'ils avaient pas finalisé, en fait, l'ensemble. Ouais. Et avec la Panamera, là, ils ont trouvé le bon compromis entre le V8 à l'avant. Au départ, il y avait pas la version shooting. Oui, back. Exactement. Non, c'était non, que non, la Panamera non. Classique, effectivement. Panamera Berlin. Berlin, et puis derrière, voilà. Ils ont terminé le concept de la voiture sportive familiale avec cette Panamera Sport Turismo. En tout cas, c'est excellemment réussi. J'adore cet esprit. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt Panamera berline ou plutôt Panamera Sport Turismo, hein? C'est comme ça que je le dis. Sport Turismo. Sport Turismo ou Shooting Break, hein, ou SB, ou en bref. En tout cas, je trouve que ce break, ce gros break de chasse a de la gueule. Voilà, ça c'est dit. Quelles sont les concurrentes de cette très belle Porsche? Déjà, on va placer le prix. Oui, parce que le prix. On est sur le V8 630 chevaux en Turbo S, donc on est avec un prix aux alentours de 200 000 euros. D'accord. On rajoute le malus, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a en face? On a une Aston Martin rapide ou alors, pas? Alors, la rapide, on peut, je ne sais même pas si elle a encore au catalogue. Ah ouais, peut-être, hein, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, elle n'est pas en shooting break. C'est vrai, on c'est peut vrai. Pas mettre les VTT. C'est vrai. Rappelle-moi, il n'y avait pas un designer à l'époque des années peut-être 70-80 qui faisait des shooting breaks sur des Aston? Alors, si, bien sûr. Et... c'était pas un designer. Oui. C'était un constructeur anglais. Alors, de mémoire, je crois que c'était Lynx, ouais. Mais à vérifier aussi, les amis, qui prenait des Aston DB4, voire DB5. Il n'y avait pas Zagato et qui rajoute. Alors, Zagato, c'est encore différent. Ah, c'est encore ça, différent. C'est en Italie. Et Zagato, oui, a fait des shooting breaks, mais sur c'était des un Aston, peu plus récent. Ou pas. C'était des Aston aussi. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bon, mais Zagato aimait bien cette configuration. Ouais. Concurrence. Dans la fourchette de 200 000 euros, on a quoi? Ben moi, je pense surtout à l'Audi RS6, que je mettrais bien en face, ouais, c'est vrai, de la Panamera Turbo S, parce qu'elle a aussi un V8. D'accord. Alors, il a un poil moins de chevaux, hein, puisque de mémoire encore, la RS6, elle doit faire 610 chevaux, je crois, à peu près. Il y a un peu moins de chevaux sur la RS. Pardon, 610 chevaux, oui. Ouais. J'étais à 510, après je me disais, mais non, 510, c'est pas assez. Donc 610 chevaux, 630 chevaux, ouais. V8. Alors, quelque chose me dit que ce V8, je
pense, hein, qui... Tu penses que se cache derrière le, sous le capot le même moteur? C'est ça que tu voudrais dire? Alors, je... moi, je pense que c'est l'inverse. Que si on soulève le capot d'une RS6... Ah, c'est mieux dans ce sens-là. Et qu'on prend le bloc moteur V8 de la RS6... Et qu'on enlève le logo Audi, il y a Porsche. Il y a peut-être un petit logo Porsche en dessous, mais... Bon, ça, on le faut dit pas. Le dire. On parle pas non plus du V8 Bentley... Non. Ni du V8 Lamborghini. Urus, non. Oh, non, oublie. Ah. Mais bon, ça reste quand même le savoir-faire ça Porsche. Ça reste super logique. Cool. Ça resterait logique d'avoir une conception mutualisée des V8. Bien sûr. Et puis, quelle conception, quoi. C'est clair. Autre concurrente, peut-être, ça serait la Mercedes CLS, mais elle n'existe pas en shooting break. Avant, elle existait. Ouais, elle était très belle. Ils ont décidé chez Mercedes de l'arrêter. On a chez Ferrari la GTC 4 Lusso. Mais alors là, on est sur du V12. Ah oui, d'accord. Et il n'y a que deux portes. Ah oui. Donc, bon. Et puis on a un tarif. Oui. Un petit peu plus élevé. Ouais. Bon, finalement, il n'y a pas beaucoup de concurrence. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on, quand on réfléchit, la concurrence, elle est dans la même famille, quoi. C'est... Le grain de délire, il est dans la même c'est famille. C'est vrai, c'est bien résumé. Petit détail vachement sympa, c'est que regardez ici, comme sur toutes les Porsche, la clé est à gauche, mais en fait c'est pas un bouton start stop, c'est une vraie fausse clé, on peut pas l'enlever, mais en fait pour démarrer la voiture on va tourner comme une Porsche à l'ancienne. Bienvenue à bord de cette Panamera Turbo S. Ici on a une finition tout cuir noir, vous voyez, pas de plaquage, pas d'alu. Alors c'est super bien fini, bien évidemment, hein, regardez, tout tombe impeccable, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de jeu. Les boutons sont en piano black, la poignée est en alu. C'est sobre, discret, mais c'est efficace. Un petit coup d'œil sur la grille du haut-parleur Burmeister, extraordinaire qualité. Il accueille éclairé Panamera Turbo S. Alors les sièges sont en cuir noir, encore une fois. Si vous remarquez, ils sont perforés avec le logo Turbo S incrusté. Les réglages électriques, bien sûr. Alors moi, j'ai un petit reproche à faire ici sur l'assise. En fait, je trouve qu'elle manque un peu d'épaisseur, et sur les très longs trajets comme ce qu'on vient de faire, ben, au final ça manque un poil de confort sur l'assise. Après, on est exigeant, on est de plus en plus exigeant avec cette voiture. L'arrière de la Panamera est plutôt pas mal, hein. En plus là on est en version Sport Turismo, donc on a un peu plus d'espace à la tête, ce qui nous permet d'avoir deux beaux sièges individuels, un réglage électrique, et puis surtout, regardez, ici, au milieu, et on va avoir cette petite console qui permet de régler, alors, ici, les massages, ici, le chauffage, la ventilation, la clim, bien sûr, individuelle. On peut même régler le siège avant pour l'avancer, si jamais on n'a pas assez de place aux jambes. L'intérieur de cette Porsche est sportive, mais quand même bien luxueuse. Je vous laisse regarder un petit peu le dessin de la planche de bord. Alors c'est simple, c'est sobre. Encore une fois, ici on n'a pas d'incrustation de bois ou de matériaux autres que du cuir, de l'aluminium, mais tout est bien fait. Ça tombe parfaitement sous les mains. En fait, on a un ressenti vraiment de premium luxe, sans forcément avoir l'ostentation d'autres voitures de luxe. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les grilles d'aérateur sont peintes couleur carrosserie. Et sur la console centrale, on retrouve des boutons de réglage, mais on peut également tout gérer à partir de l'écran. Pour ma part, je trouve que les boutons de réglage sur la console centrale sont trop plats. Du coup, quand on conduit, on est obligé de regarder la console pour trouver le bouton. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique. Après, bon, chacun va s'adapter et va trouver sa façon de piloter le tout. Fin du voyage, on arrive où ? Il y a un indice devant, à Paris, avec le temps merveilleux qui nous a accompagnés depuis Cannes. On en profitera pour faire le bilan ici sur Paris. Bon les amis, ça y est, on est à Paris. Là c'est le pavillon Le Doyen, super restaurant.
il fait super moche, il pleut, il fait froid. On vient de remonter la Panamera de Cannes, on a fait 950 km. Moi, ce que je vous propose, c'est de remonter avec moi parce qu'on sera vraiment mieux à l'intérieur. L'avenue Foch à Paris est réputée pour son revêtement complètement pourri, il faut le dire, avec des trous, des bosses, etc., etc. Je peux vous garantir que avec les suspensions de la Panamera en position moyenne, c'est vraiment un tapis volant, on sent quasiment rien, il n'y a pas d'à-coups, tout est absorbé, c'est parfait. Vous voyez là, je suis en mode normal, là. Donc réponse moteur standard, confort avant tout. Mais il y a un petit bouton magique qui est caché parce qu'en fait, chez Porsche, on aime bien le sport quand même. Vous avez ici une petite molette qui permet de choisir entre le mode normal, sport, etc. Et puis, il y a un petit bouton ici. À quoi il sert ce petit bouton? Eh bien, en fait, regardez ce qui va se passer quand je vais appuyer dessus, ici, sur l'écran. Regardez l'écran qui est là, là, ce rond-là. Je vais appuyer sur ce petit bouton et regardez, il va se mettre en sport réponse pendant 20 secondes. Et donc, regardez, pendant 20 secondes, je suis en mode sport plus. C'est-à-dire qu'il va passer les rapports beaucoup plus haut dans les tours, jusqu'à 6500 tours. Bref, pendant 20 secondes, j'ai de quoi exploiter toute la partie sportive. Et regardez, maintenant, automatiquement, 20 secondes après, il s'est mis en mode normal. Alors, à quoi ça sert ? Ça peut servir à se faire un petit plaisir de 20 secondes. Ça peut servir à doubler de manière dynamique. Bref, ce petit bouton magique ici, le bouton Sport Réponse. C'est l'heure du bilan pour cette Panamera. Bilan qui est, bien sûr, vous l'aurez deviné, positif. Je vais me donner un petit challenge. C'est-à-dire que là, regardez, on a en face de nous les 2,5 km de l'avenue des Champs-Élysées. Je vais tenter de faire le bilan le temps de la remontée des Champs-Élysées. Comme ça, je ne serai pas trop long. J'ai paramétré la voiture en mode de conduite normal avec un niveau de châssis moyen. Ça veut dire qu'elle est un petit peu plus élevée qu'en mode sport. Et châssis normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais privilégier le confort, surtout parce qu'en fait, là, il y a pas mal de pavés dans Paris. Et puis, au niveau du son, je pense que vous entendrez mieux. Et puis, on est dans Paris, on n'est pas là pour faire de la conduite sportive. Alors, on y va, c'est parti pour le bilan. Déjà, premier bilan sur la partie, roulante de la voiture, c'est-à-dire moteur, châssis. Le moteur, je vous le rappelle, c'est un V8 630 chevaux. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ce moteur, il peut être très doux, très soft. Vous voyez ici, là, je suis à 20 km/h dans Paris. Je n'ai pas d'à-coups, je roule vraiment tranquillement, je peux cruiser. Mais dès que je le mets en sport ou en sport plus, là, ça y est, c'est vraiment quelque chose qui va être très rageux. C'est un moteur qui est agressif, qui va répondre mais à la milliseconde, donc le pied et le moteur vont être connectés, et dans les enchaînements de virages, par exemple, en Provence, 900 km plus bas, c'était un vrai régal, un vrai bonheur. Alors par contre, hein, quand on commence à jouer, forcément, le moteur, il consomme un petit peu, on arrive aux alentours de 25 litres. Concernant la partie châssis, encore une fois, un très beau travail de Porsche, puisque on a des suspensions pneumatiques actives, des systèmes vraiment de dernière génération. La voiture peut être un petit peu joueuse d'ailleurs en sport plus, hein. elle peut décrocher mais elle va vite se rattraper. Ça permet à des gens comme moi qui ne sont pas des pilotes, parce qu'en fait on va pas non plus dire que c'est une voiture de pilote, hein. C'est quand même, ça reste une voiture de tous les jours, mais on peut s'amuser vraiment tout en étant sécurisé. Et puis dernière chose, la partie confort intérieur, et bien en fait là je dirais que c'est ce qui termine l'aspect positif de ces voitures, puisque on est dans du luxe, c'est-à-dire que Porsche va de plus en plus vers le créneau du luxe et propose des équipements comme on l'a vu, les sièges massants, etc., même à l'arrière, un environnement avec du cuir, avec une belle finition, des équipements technologiques vraiment dernier cri,
avec sur l'autoroute par exemple la possibilité d'utiliser la conduite semi-automatique. Le système est connecté avec une puce SMS, donc en fait entre Porsche il y a des informations qui vont circuler comme les conditions de circulation ou autres. Bref, une voiture au top de la technologie. Donc moi, si je résume cette Panamera, c'est quand même une voiture mais hyper complète parce que elle peut vous emmener sur des petites routes avec un caractère très sportif. Elle peut emmener la famille en vacances dans un confort royal. Donc on a du luxe, de la sportivité, de la sécurité, de la technologie, du vrai plaisir de conduite puisque ça reste une Porsche. Franchement, cette Panamera réunit toutes les conditions d'une berline sportive, d'une familiale sportive de luxe. Alors à vous de me dire, vous, pour ce budget-là, environ 200-250 000 euros, ce que vous choisiriez. C'est-à-dire qu'en face, on va avoir des choses comme des Audi RS6 avec un V8. On va pouvoir également aller voir du côté de chez BMW. Bref, pour ce budget-là, et je dis bien en berline familiale sportive, voire en sport Sport Turismo, qu'est-ce que vous choisiriez? Allez, à vous d'écrire. Sur ce, un petit pouce parce que ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Et regardez, j'ai tenu mon challenge. On n'est pas encore en haut des Champs-Élysées. Bon, les bouchons m'ont un petit peu aidé. Allez, ciao les amis, bonne route. Vas-y.